أعزائي التلاميذ، لقاء جديد وحصة جديدة من حصص الدعم لفائدة تلاميذ السنة الأولى بكالوريا. فمرحبا بكم في هذه الحصة التي سوف نتناول فيها الجزء الثاني من لو ريزومي ديال لو ديرني جور دان كونداني، دائما تحت طالبكم بطبيعة الحال. لكن قبل ما نبدأ هذه الحصة، نبغي نطلب منكم في البداية نشوفوا هذه البوابة هذه ديال ثانوية ابن عربي، ونبغي نحيو الأطر الإدارية والتربوية والتلاميذ ديال المؤسسة ديال ثانوية ابن العربي التأهيلية، ونبغيكم تخليوا لي في التعليق الجواب أين توجد ثانوية ابن عربي التأهيلية. وعلى بركة الله غادي ندوزو لو ريزومي. في الحصة الماضية كنا شفنا لو ريزومي ديال لو ديرني جور دان كونداني من لو شابيتر 1 حتى لو شابيتر 18. إذا اليوم غادي نكملو من لو 18 حتى الشابيتر 49. هاد لو شابيتر 18 تيبدا ب Pendant que j'écrivais tout ceci, la lampe a pâli. Le jour est venu, l'horloge de la chapelle a sonné 6 heures. À 6 heures, bien sûr, c'est l'heure où on va lui annoncer que c'est son dernier jour. Il est 6 heures du matin, le guichetier entre dans le cachot. Alors le cachot ou la cellule Zinzana, il demande à notre condamné ce qu'il désire à manger. Donc bien sûr, le condamné تيكون بطلب منه وعلى شهوته بطبيعة الحال. هادشي اللي كاين في لو شابيتر 18 فقط غادي يجي عندو لي غيشوتيي، ومن تما غادي يفهم بأنه آخر يوم في حياته. نمشيو لو شابيتر 19، سي بور أجوردوي، يعني اليوم. لو ديريكتور دو لا بريزون لوي ميم فيان دو مو روندر فيزيت، يعني المدير ديال السجن غادي يجي عندو حتى لا سيلول ديالو. Le directeur de la prison vient en personne voir le condamné. Il se montre doux et gentil. Le narrateur comprend que son heure est arrivée. Donc, vous l'aimez, vous l'allez, vous avez être l'hal. Le narrateur fait bien, c'est son dernier jour. Le chapitre 19, fin de le directeur de la prison. Le chapitre 20, il ne croit pas ce geôlier, alors le geôlier ou le guichetier, que j'ai à me plaindre de lui et de ses sous-geôliers. Il a raison, ce serait mal à moi de me plaindre. Donc, le geôlier, le narrateur pense à son geôlier, à la prison qu'il trouve partout autour de lui, dans les murs, dans les guichetiers. Voilà, le chapitre 20, c'est toujours une pensée vers le geôlier et vers la prison. Monsieur le chapitre 20, il est que je suis calme maintenant. Tout est fini. Tout bien fini. Je suis sorti de l'horrible anxiété. L'anxiété ou le qalaq où m'avait jeté la visite du directeur. يعني لو ناراتور تكالما شويه من بعد ما تقلق ملي جا عندو لو ديريكتور. لو كونداني رسوا دو فيزيت، شكون غادي يجيو عندو؟ جوج الناس. دابور سيل دو بريتر راهب، اي بوي سيل دو لويسيي. شكون هو هاد لويسيي؟ هو العون القضائي المكلف بتنفيذ الاحكام. واحد السيد تيكون خدام في المحكمه هو اللي تيصرع على تنفيذ الاحكام. دونك غادي يجيو عندو بجوج، le prêtre ou l'huissier. Ce dernier, je connais l'huissier,
vient lui annoncer que le pourvoi est rejeté. Alors le pourvoi wa stinaf wa naqd est rejeté et que son exécution aura le jour même place de grève. Atiel Jadou, l'huissier, Geliaoudia, Talaoudia Naqd Diaktafad, Wa'ale, Fal-Idam, Qa'im, Lyon, la place de grève. Il reviendra le chercher dans 1 heure. Bien sûr, donc, nous sommes au chapitre 21. Sur le chapitre 22, de la conciergerie. Qui va de la. Il y a le narrateur à Jal, conciergerie. À Kaïf, la conciergerie. Qui m'a fait le chapitre 1, Galina Bicêtre. Il y a Anakin Bicêtre. D'abord, Galina Anakin, la conciergerie. Me voici transféré. Alors, transféré, il est hoult. Comme dit le procès-verbal. Alors, le procès-verbal, wal-mahdar. Mais le voyage vaut la peine d'être compté. Amchilal, al-bidaya dit le chapitre 22, tenfemo bien naradi aoudina, avec la dialo, min bicêtre, la conciergerie, l'en d'être compté, compté y a raconté. Radi aoudina, avec la dialo, min bicêtre, la conciergerie. Le prisonnier est transféré à la conciergerie. Achni la conciergerie. Ou de le habs li tikoun fil mahkama. Ay mahkama tikoun fiha chi habs. واحد الحبس يكون غالبا لتحت ما تيباتوش فيه تيبقاو فيه اللي بضع ساعات فقط. Alors le prisonnier est transféré à la conciergerie. Il nous compte. Alors compter, il y a raconte, yahki. Le voyage et sa discussion avec le prêtre et l'huissier pendant le trajet ou à Al-Masafa ou à Verla. C'est un voyage qui va durer 1 heure. Il se montre peu bavard. Qui veux-je voir? Mathieu Dash, le narrateur, Mathieu Dash, il se montre peu bavard et paraît plutôt pensif. Pensif et tifka. À 8h30, la carriole, la est déjà devant la cour. La cour, il y a Al-Mahkama. Chapitre 23. Tant que j'ai marché dans les galeries publiques, les galeries ou l'Arawiqa, bien sûr, à notre le Mahkama, ou le Mahkama fiha, tant que j'ai marché dans les galeries publiques du palais de justice, le palais de justice ou le Mahkama, je me suis senti presque libre et à l'aise. L'espace, bien sûr. L'huissier remet le condamné aux mains du directeur. Donc, Jabeshislam, le condamné, le directeur, dit la conciergerie. Dit la conciergerie. Dans un cabinet voisin, il fait une rencontre curieuse avec un condamné à mort, avec le condamné à mort qui séjournera dans la même cellule à Bicêtre. Donc, المكتب ديال المدير غادي يتلاقى مع واحد السيد ان كوندوني امور هو نفس الشخص اللي غادي يمشي يجلس في لا سيلول ديال لو كوندوني واحد 5 اسابيع راه حتى ما يجي وقته حتى هو ويجيبوه يعدموه. دونك نعاود dans un cabinet voisin il fait une rencontre curieuse avec le condamné à mort qui séjournera séjourner il y a resté quelques jours dans la même cellule à Bicêtre. Ce dernier, fils d'un condamné, d'un ancien un condamné à mort. Yani ba ta'dam, ou l'yom huwa gadi ta'dam. Yani l'i'dam diel ba huwa kan sabab l'yom l'i'dam diel wuldo. D'un ancien condamné à mort lui raconte son histoire et s'empare de sa redingote. Donc, gadi juste diel ahdat muhimma. Le chapitre 23, avec le frioche, le condamné à mort, il va raconter son histoire. Le men, bien sûr, le condamné, le narrateur, une histoire très triste. Et s'empare de sa redingote.
شتي هي لا غودانغوت؟ هي ديك لا فيست انجليز ديال الطبقه البرجوازيه. دونك هذاك لو فريوش غادي يطلب من لو كونداني باش يتبادلوا الحوايج. علاش؟ لانه بغى يبيع ديك لا غودانغوت لانها جايبه الثمن ويشري الدخان. هادشي في لو شابيتغ 23. شو لو شابيتغ 24؟ سو فيو سيليرا il m'a pris ma redingote. On a l'air de dire là le frioche. Car je ne la lui ai pas donnée. Et puis, il m'a laissé cette guenille. La guenille, je dis la guenille, il y a charouette. Une guenille, c'est un vêtement sale, ancien et déchiré. Sa veste, infâme. دونك هنا في شابيتر 24 غادي يهضر على ديك السمسيرة اللي دار ليه لو كونداني لو فريوش ودار ليه الكسوة ديالو. لو ناراتور اي انراجي. شنو انراجي؟ ان كولير، جاعر، جاهل، باسكو لوتر كونداني لوي ا بري سا ردونغوت. ما عجبوش الحال بيان سور. نمشيو لشابيتر 25. إيل مون أموني دون أون سيلول où il n'y a que quatre murs avec beaucoup de barreaux à la fenêtre. Là, bien sûr, le narrateur a été placé dans une cellule fine à la conciergerie. Ben, mais c'est l'être déjà interdit de la cellule, l'IA, qu'a, ma fiette à haja. Alors, le résumé, le condamné est transféré, donc, comme tout m'a fini de vachiner transféré, il est houl, houlou, donc c'est la voie passive, dans une autre cellule. On lui rapporte sur sa demande une chaise, une table, ce qu'il faut pour écrire et un lit. Là, Mohim. Donc, c'est là que commence l'écriture du journal intime. Ah, Machir Kabel. Donc, c'est là qu'il a demandé des moyens pour écrire. Donc, c'est là qu'il a demandé des moyens pour écrire. Le chapitre 6, puisque j'ai les moyens d'écrire, pourquoi ne le ferais-je pas? Donc, il ne va commencer à écrire que chapitre 25, et c'est le dernier jour, bien sûr, on va parler Wallo, Wallita. Donc, ce sont des flashbacks, des retours en arrière. Monsieur le chapitre 26, il est 10 heures. Oh, ma pauvre petite fille! Encore 6 heures et je serai mort. Je serai quelque chose d'immonde qui traînera sur les tables des amphithéâtres. Un très très beau texte, c'est le chapitre 26. Il est 10 heures, le condamné plaint sa petite fille. Tfkavento, ou de tifkaflamaser diela, ou achno radio kalem, ben le mot dialo. Il est 10 heures, le condamné plaint sa petite fille qui restera sans père. Elle sera peut-être repoussée. Ashni repoussée, elle est mbouda. Alors repoussée, il y a mbouda. Kushite tavamna, haï, mkroha. Et à cause de lui. Donc, wa radi, il y a une salaire hayata, bien sûr. Wa radi moutu mshi, wa lekin ibnto, rat addi tamam. Naoud, il est 10 heures, le condamné plein. Sa petite, donc plein, le verbe plaindre, sa petite fille qui restera sans père, elle sera peut-être repoussée, men bouda, haï, mkroha, psebeb dielo, houa. Chapitre 27, encore, si je savais comment cela est fait et de quelle façon on meurt là-dessus. Mais c'est horrible, je ne le sais pas. Ben, donc, le début du chapitre 26, le 27, le narrateur se demande comment on pouvait mourir sur l'échafaud. L'échafaud, ou le mensa, dit l'Idem, les foukati d'Evo, la guillotine. Donc, l'échafaud, bien sûr, elle qui fait l'Idem. Alors, chapitre 28, je l'ai cependant entrevu une fois. Je l'ai cependant entrevu. Alors, on a une apostrophe. On a une E. Donc, c'est la guillotine. Il fait la guillotine. Je dis la guillotine, il y a le meqsa. Il y a le L qui est
مستعملة متداولة في فرنسا للإعلام. Je passais sur la place de grève. هنا بلاصة الإعلام. Je passais sur la place de grève en voiture un jour vers 11 h du matin. Tout à coup, la voiture. هنا donc, il nous raconte son histoire ou là, un souvenir avec la guillotine. يعني فايت شاف la guillotine. Il se rappelle avoir déjà vu une fois monter une guillotine sur la place de grève. يعني va فايت شافها ونتي عاودينا شنو كان شاف. Chapitre 29. Oh ma grâce, on me fera peut-être grâce. Alors la grâce, هنا هو العفو. Bien sûr, tu as العفو الملكي. علاش؟ لأن à l'époque, كان واحد الملك سميتو شارل X. Alors, le détenu, achetez le détenu ou le mu'taqal. عقلوا على هذه الكلمات مهمين بزاف. Le détenu ou le mu'taqal. Pense à cette grâce qui ne vient toujours pas. Il estime maintenant que les galères, alors les galères, ou les forçats, seraient meilleure solution en attendant qu'un jour la grâce arrive. Il estime, il pense maintenant que les galères, les forçats. Ou les galères, الاكتشافات الجغرافية كانوا دوك المحابسية هما اللي تيزيدوا لي باطو ان باطو سميتو لا غالير ولي غالير هما دوك الناس اللي تيزيدوا محابسين تيزيدوا لي باطو هذا هو العمل الشاق اللي كانوا تيديروا سيري ميور سوليسيون ان اتوندون كان جور لا غراس اريف على الاقل لي فرصات يبقى عندهم امل واحد النهار تجيهم لا غراس كونت لو بريتر est revenu. Je connais le prêtre Wadakarahib. Il a des cheveux blancs, l'air très doux, une bonne et respectable figure. C'est en effet un homme excellent et charitable. Je dis charitable, il est muhsin. Yani aziz ali al-khair wal ihsan, il est charitable. Résumé, le prêtre revient voir le condamné, donc Jandoum Avakhura. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. Je connais où est celui-ci. Où est le condamné? Mahamlouch, Mahamlouch Chichouvo. Celui-ci est loin d'apprécier sa présence. Alèche, ce prêtre parle machinalement. Il semble peu touché par la souffrance du prisonnier. Yani Mahash le narrateur. Ensuite, et bien que cela. Et bien que la table soit délicate et bien garnie, il ne peut manger. Hna fin ghadi yjibou li dak lghda li tcha, walakin le narrateur n'a rien mangé. Alors, n'aoud, ensuite, et bien que la table à manger bien sûr, la table à manger soit délicate et bien garnie, mamma, il ne peut manger chaya mekinash. 31. Il vient d'entrer un monsieur. Il vient d'entrer un monsieur, le chapeau sur la tête, qui m'a à peine regardé, puis a ouvert un pied de roi et s'est mis à mesurer de bas en haut les pierres du cachot. Le narrateur de la cellule, c'est, paraît-il, l'architecte, le Mohandis. Le narrateur est surpris de voir un monsieur prendre les mesures de la cellule. Ironie du sort, la prison va être rénovée dans 6 mois. L'habs, radi slahou, min hna, sittat ashar. Rénovée, ya slahou. Chapitre 32, et puis, il m'est arrivé une chose ridicule. Donc, l'habs, radi aoudlina. Alors, Tabaha ridicule, banal, tafia. On est venu relever mon bon vieux gendarme auquel ingrat, alors ingrat yanakel el jamil et égoïste anani que je suis, je n'ai seulement pas serré la main. Donc là, le narrateur va nous raconter son histoire avec le nouveau gendarme. Radi jandouar le gendarme. Ou avec le gendarme, on va dire les numéros de la loterie.
Un autre gendarme vient prendre la relève. Avant place avec l'eau. Il est un peu brusque. Ma fiche diplomatie, hein, brusque. Il demande au prisonnier de venir chez lui après son exécution pour lui révéler les trois bons numéros. Alors, les trois bons numéros gagnants de à la loterie. Le condamné veut profiter de cette demande bizarre. يلا بديتي فك هذاك الكسوه ديال الجدارميه ويعيق بان الا عطى الكسوه غادي يخرج من الباب غادي يقف فولي اذا ما غادي يتعدمش اذا ما كاين حتى حاجه دونك il lui propose de changer ses vêtements avec lui. Le gendarme refuse. Il a compris que le prisonnier veut s'évader. Alors, chapitre 33, il commence par « J'ai fermé les yeux et j'ai mis les mains dessus et j'ai tâché d'oublier le présent dans le passé, tandis que je rêve les souvenirs de mon enfance et de ma jeunesse. » Donc, pour fuir ce présent horrible, le narrateur va voyager dans le passé à travers les souvenirs d'enfance et de jeunesse. أكيد الحاضر خايب إذا لو ناراتور غادي يهرب للماضي للذكريات الجميلة ديال الطفولة ديالو وديال الشباب. Alors pour oublier son présent, le narrateur passe en revue ses souvenirs d'enfance et de jeunesse. Il s'arrête longuement sur le souvenir de Pepa. Je connais de Pepa, c'est son amour d'enfance. C'est une espagnole. Donc c'est l'amour d'enfance du narrateur. Cette jeune Andalouse, elle est espagnole, dont il était amoureux et avec qui il a passé une belle soirée d'été. Chapitre 34. Une heure vient de sonner, je ne sais laquelle. J'entends mal le marteau de l'horloge. Il me semble que j'ai un bruit d'orgue dans les oreilles. Donc, le résumé, au milieu de ses souvenirs de jeunesse, le condamné pense à son crime. Entre son passé et son présent, il y a une rivière de sang. Une rivière de sang. L'hyperbole. Le sang de l'autre, ni le crime, ou le mien, ou le sien, les rois, la condamnation à mort. Donc, il y a une rivière de sang, d'âme d'y aller avec l'éctel, ou d'âme d'y aller ouam l'iradi it'adam. Ça, c'est le chapitre 34. Chapitre 35. Alors, il commence par, en ce moment même, il y a tout auprès de moi, dans ces maisons qui font cercle autour du palais et de la grève, et partout dans Paris. Le narrateur pense à toutes ces personnes qui continuent toujours à mener leur vie le plus normalement du monde. Donc là, c'est un petit paragraphe. Tiens, dans les gens qui vivent, les hayatons, sauf à t'stamer, ma kinte mouchkil, bien sûr, ma kinte chitrier. Chapitre 36, il commence par « Je me souviens qu'un jour, étant enfant, j'allais voir le bourdon de Notre-Dame. J'étais déjà étourdi d'avoir monté le sombre escalier en colimaçon, d'avoir parcouru la frêle galerie. » Donc là, il raconte ses souvenirs avec Notre-Dame de Paris, qui est présente ici et même dans une autre œuvre intitulée Notre-Dame de Paris. Il se rappelle ensuite le jour où il est allé voir la grande cloche, le bourdon de Notre-Dame, cathédrale de Paris. 37. L'hôtel de ville est un édifice sinistre. Alors, sinistria, triste. Ben, is. Avec son toit aigu et roide, son clocheton bizarre, son grand cadran blanc, ses étages à petites colonnes. Donc là, il décrit l'hôtel de ville, l'hôtel de ville,
القصة ديال البلدية هو لا ميري. لو ناراتور ديكري بريفمون لوتيل دو فيل، تيوصف لنا لوتيل دو فيل. 38 il est 1h un quart، يعني الوحدة 14، معايش غادي يموت مع 4. il est 1h et quart، voici ce que j'éprouve maintenant. Une violente douleur de tête, les reins froides. Donc le narrateur va sentir des douleurs physiques. Il est 1h le quart, le condamné éprouve une violente douleur, alam kbir. Il a mal partout, il lui reste 2h45 à vivre. C'est juste 45 dakika de la vie. Chapitre 39. Ils disent que ce n'est rien. Je connais ils. On a des partisans de la guillotine. Ils disent que ce n'est rien, qu'on ne souffre pas, que c'est une fin douce, que la mort de cette façon est bien simplifiée. C'est le début d'un excellent chapitre, le chapitre 39, et il nous donne un très bon exemple de texte argumentatif. C'est un très bon texte argumentatif. Alors le résumé, on dit que sous la guillotine, on ne souffre pas, que cela passe vite. Le narrateur se demande comment on peut savoir une telle chose, puisque aucun condamné déjà exécuté ne peut l'affirmer. Bien sûr, dans un texte ironique, le narrateur répond à tous ceux qui disent que la guillotine est indolore. Monsieur le chapitre 40, il est singulier que je pense sans cesse au roi. J'ai beau faire, beau secouer la tête, j'ai une voix dans l'oreille. Hana, bien sûr, le narrateur évoque le roi, qui met un groupe déjà, titlbd le roi, pour avoir la grâce. Titlbd li, titmsken li, pour avoir la grâce. Résumé, le jeune détenu pense au roi. C'est de lui que viendrait la grâce tant attendue. Sa vie dépend d'une signature. Il espère toujours. 41. Eh bien donc, ayons courage avec la mort. Donc, le narrateur essaie de se donner du courage devant la mort. Prenons cette horrible idée à deux mains et considérons-la en face. Demandons-lui compte de ce qu'elle est, sachant ce qu'elle nous veut, retournons-la en tout sens. Le condamné, donc le résumé, le condamné se met dans la tête l'idée qu'il va bientôt mourir. Il demande un prêtre pour se confesser. Achetez-moi le verbe se confesser. Alors, dans la religion catholique, se confesser, yatarafa. Donc, il y a une confession, la vahib d'Yana, un crucifix ou un salib à baiser. Chapitre 42. Je l'ai prié de me laisser dormir et je me suis jeté sur le lit. En effet, j'avais un flot de sang dans la tête qui m'a fait dormir. C'est mon dernier sommeil. Donc le narrateur Nabeina, il va faire une sieste. Il se laisse dormir un moment. C'est son dernier sommeil. Il fait un cauchemar. L'il asaf. Tafdak le sommeil, l'idée de la mort. Il fait un cauchemar et se réveille frémissant, baigné d'une sueur froide. Ashnouchev, il a vu un cauchemar, Ashkenflo cauchemar, une vieille femme qui veut le tuer. Chapitre 43. Elle est fraîche, elle est rose, elle a de grands yeux, elle est belle. Elle, il y a Marie. Le chapitre 43, Marie. On lui a mis une petite robe qui lui va bien.
La petite Marie vient rendre visite à son père. Ce dernier est choqué devant la fraîche et la belle petite fille qui ne le reconnaît pas, l'île. Donc, il a souhaité revoir sa petite Marie, Lège, pour le consoler, mais que l'île, la petite fille ne reconnaît pas son père, Mafatouche. Elle croit que son père est mort. Le jeune condamné perd tout espoir. Donc, Galina, la dernière fibre a été coupée. Ou à la petite Marie, Madame la petite Marie, non, Madame la petite Marie. 44, le prêtre est bon, le gendarme aussi. Je crois qu'ils ont versé une larme quand j'ai dit qu'on m'emporta mon enfant. Il y en a où les galimades d'Iwa? En emportant galimades d'Iwa de Marie. Le détenu a 1 heure devant lui pour s'habituer à la mort. Donc, le détenu a 1 heure devant lui pour s'habituer à la mort. La visite de sa fille l'a poussé dans le désespoir. 45. Tout ce peuple se rua. Battra des mains. Applaudira. Et parmi tous les hommes, libres et inconnus, des geôliers. Résumé, il pense au peuple qui viendra assister au spectacle. Le spectacle, c'est l'exécution. De son exécution. Il se dit que parmi ce public enthousiaste, il y a des têtes qui le suivront. Sans le savoir dans sa fatale destination. Il pense au peuple qui viendra assister au spectacle de son exécution. Il se dit que parmi ce peuple enthousiaste, il y a des têtes qui le suivront sans le savoir dans sa fatale destination. Chapitre 46. Ma petite Marie, on l'a remenée jouer. Elle regarde la foule par la portière du fiacre. Alors le fiacre ou déclare et ne pense déjà plus à ce monsieur. La petite Marie vient de partir. Le père se demande s'il a le temps de lui écrire quelques pages. Il cherche à se justifier devant les yeux de sa fille. Ma 47, Galina note de l'éditeur. Galina d'éditeur. Ad chapitre Adam al-Qaynash. Ce chapitre comporte une note de l'éditeur. Les feuillets qui se rattachent à celui-ci sont perdus ou peut-être que le condamné n'a pas eu le temps de les écrire. Al-Qaynash, le chapitre 40. Chapitre 48. D'une chambre de l'hôtel de ville. Je suis dans une chambre de l'hôtel de ville. C'est le troisième lieu où séjournera le narrateur. De l'hôtel de ville. Ainsi, j'y suis. Alors, j'y viens. C'est un complément circonstanciel de lieu. On est dans l'hôtel de ville. Le trajet exécrable est fait. Exécrable, il y a détestable. La place est là, et au-dessous de la fenêtre, l'horrible peuple qui aboie et m'attend et rit. Le condamné est dans une chambre de l'hôtel de ville. À 3 heures, on vient l'avertir qu'il était temps. Le bourreau, alors je connais où le bourreau, avec l'itiadem, avec l'itiadem, le bourreau. Et ses deux valets lui coupent les cheveux et le collent avant de lier ses mains. Le convoi se dirige ensuite vers la place de grève, devant une foule de curieux qui attendent l'exécution.
Le convoi se dirige ensuite vers la place de grève devant une foule de curieux qui attendent l'exécution. Sur le chapitre 49, le dernier, un juge, un commissaire, un magistrat, je ne sais de quelle espèce vient de venir. Alors, de quelle espèce est-ce un juge, un commissaire, un magistrat. Ou l'itibin bin Awad vient de venir. Je lui ai demandé ma grâce en joignant les deux mains et en me traînant sur les deux genoux. Il a supplié la grâce à ce monsieur. Alors, les résumés, le condamné demande sa grâce à cette personne qu'il croyait juge, commissaire ou magistrat. Il demande par pitié qu'on lui donne 5 minutes pour attendre la grâce. Mais le juge et le bourreau sortent de la cellule. Il reste seul avec le gendarme. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. Il espère encore, mais voilà qu'on vient le chercher. Voilà, c'était la fin du résumé d'hier, le dernier jour d'un condamné. Shukran ala wafa'ikum, shukran ala baqa'ikum, hatta al-nihaya. Nahnu da'iman fi khidmatikum. Sanabqa'u fiyya hatta تمام الامتحانات بخير وعلى خير للجميع، ونطلب منكم فقط واحد التعليق ديك جاي ما تنساوهاش باش تشجعونا باش نبقاو دائما في خدمتكم وباش القناة توصل لو ماكسيموم ديال التلامذة ديال الثانويات المغربية، فتحياتي لكم جميعا.